Marie-Jeanne Kaufmann traque l'almastie, une obstination sans borne pour ce médecin franco-russe à vouloir prouver l'existence de l'homme sauvage du Caucase. Après avoir fait partie d'une expédition scientifique au Pamir à la recherche de l'homme des neiges, c'est en Kabardino-Balkarie qu'elle poursuit sa quête. Alliant rigueur scientifique et insatiable curiosité, elle recueille plus de 500 témoignages et des empreintes qui constituent un énorme dossier. Nous avons des preuves indirectes sous la forme justement de ces témoignages, puisqu'ils sont d'abord très nombreux, ils proviennent de régions absolument distinctes, de personnages appartenant à des catégories humaines absolument différentes, religion, langage, origine ethnique différente, mais néanmoins, toutes ces personnes décrivent un même portrait. C'est bien donc à partir de ces témoignages qu'a commencé toute la démarche scientifique grâce à leur analyse. J'aimerais savoir si l'almastie peut être dangereux ou agressif. Je n'ai jamais entendu parler d'une agression vis-à-vis de l'homme, même si l'homme se comportait d'une façon assez dangereuse pour l'almastie. Jamais, aucune. Cette grande bête que l'on a voulu considérer comme l'ancêtre de celle que vous chassez, si je puis dire, que vous cherchez. Ça représente une mâchoire inférieure, seulement la mâchoire inférieure, comme vous savez, d'un être qui était évidemment assez impressionnant et que l'on appelle le gigantopithèque. Je dis toujours à tous mes compagnons que nous devons, comme hypothèse de travail, partir de ce principe que nous cherchons un être quasi humain et qui nous surpasse sur beaucoup de paramètres, même peut-être l'intelligence, qui sait. Sur le plan scientifique, si on trouve un jour cet être dont vous parlez, ce sera, quelle que soit sa nature, oui, quelle que soit sa filiation, tout à fait est extraordinaire. C'est au Caucase que nous engageons une passionnante enquête sur les traces de l'almastie. L'Elbrus, toit de l'Europe, domine notre zone de recherche. Nous sommes en Kabardino-Balkarie et la légende souffle sur les sommets du Caucase qui étire sa barrière de 1200 km entre la mer Noire et la mer Caspienne. Mythe, réalité, cette réflexion accompagne nos premières excursions. L'almastie, d'après les témoignages recueillis ici par le docteur Kaufmann, est décrit comme un être atteignant 2 mètres, 2,20 mètres, à la fourrure rousse ou noire, dépourvu de langage, sachant même entretenir un feu, et vivant la nuit pour échapper au plus terrible des prédateurs, l'homme. De nombreuses grottes tapissent cette zone de Kabardino-Balkarie. Un berger balkar nous signale l'une d'entre elles. Il y aperçut des ossements. Ce n'est pas un jeune homme. Vous voyez ses dents? Je pense qu'il était assez fort parce qu'il a une bonne cavité musculaire. Cette grotte est idéale pour l'almastie. Peut-être y a-t-il dormi quelques nuits il y a quelques mois ou quelques jours. Alors on va essayer d'aller placer ça. Bien que ces os soient humains, cette grotte est une occasion de placer un système de détection. Vous coupez le faisceau infrarouge et clic-clac, l'appareil photo ou le caméscope vous tire le portrait. Viendra, viendra pas, les almastis bouderont l'endroit et nous retrouverons des images impressionnées, mais vierges d'hommes des neiges. Un cavalier au détour d'un chemin nous avait affirmé que l'almastie a le pouvoir de se rendre invisible. S'il a raison, le cliché du siècle attendra. Sarmakovo est notre camp de base. Notre autre, Mouayed, est l'un de nos premiers témoins. Il y enseigne les langues et ne croyait pas à l'existence de l'almastie jusqu'à ce jour de janvier 1987. J'ai vu entre ces planches
un inconnu très grande, peut-être 2 mètres 10 centimètres de haut. Elle était couverte de poils noirs. Ses yeux brillaient en couleur rouge. Elle faisait des pas très grands et elle marchait comme ça. Je pensais que c'était peut-être l'almasti. Micha est peintre, et si l'almasti qu'il a crayonné d'après le récit de Moyed n'est pas conforme à la réalité, peu importe. Pour enrichir les témoignages, il sera parfois le compagnon de nos étranges rencontres. Il a lui aussi rencontré l'une de ses créatures. À cette époque, il était le gardien d'un puits aux abords de la ville de Turnhouse. Personne n'a depuis voulu lui succéder. C'était le maître Abou, et quand il a vu l'almasti, il était dans la cabane, il regardait à travers la fenêtre, et puis il a vu une créature qu'il regardait. Il voulait prendre son pistolet, mais il n'a pas pu. C'était comme s'il était hypnosé par l'almasti. Il me regardait de cette face du bas, des dents qui étaient assez grandes. Il me regardait comme ça et moi j'étais allongé. Il avait des rides comme ça et il me fixait du regard. Il avait une grosse tête. Les récits fantastiques qui peuplent les rêves des enfants caucasiens ont la peau dure. Si vous possédez des poils d'almasti, celui-ci devient votre esclave. Mais attention, s'il remet la main sur ce bout de toison volé, il se venge cruellement sur l'un des membres de votre famille. Les jeunes en rient, les vieux s'accrochent à ces histoires. Tout le monde ne croit pas à l'existence de l'almasti. Et pour les bergers qui, au petit matin, n'ont pas le compte de leurs moutons, l'homme sauvage a parfois bon dos. L'almasti, ce sont les hommes maintenant. L'almasti, ça fait 40 ans que je travaille comme berger. Je n'ai jamais vu l'almasti, ni le jour, ni la nuit. Et mon collègue non plus. L'almasti est décrit par les témoins ni animal, ni homme, mais comme un homme. Survivant de l'homme de Néandertal pour certains scientifiques, grand singe pour d'autres, et gag inépuisable pour tous ceux qui s'amusent à voir l'homme des neiges ressurgir périodiquement sous les feux de l'actualité. J'étais couché comme ça et je regardais. Quand je l'ai vu, j'ai rabattu ma burqa, regardé ce qu'il faisait. Il est arrivé par là, il marchait doucement, est entré dans la cabane et a regardé par là. Il a décroché un harnais, l'a regardé sous toutes les coutures, puis l'a remis à sa place. Il y avait ici une poêle et une marmite. Il a soulevé le couvercle, il s'est servi en pain et puis il s'est servi en viande. Les cheveux lui tombaient sur la figure. Il nous a regardés et s'est retourné avant de s'éclipser par là. C'est tout. Quand il s'est penché, ses cheveux lui sont tombés sur le visage. Mais j'ai vu ses yeux à travers la chevelure. Ils brillaient. Ils étaient très brillants. Ils ont les yeux comme ça. Comme les chats? Oui, comme les chats. Ils ont les yeux ronds, mais la pupille est verticale. Les yeux sont jaune-rouge. L'existence de l'almasti est l'objet d'une controverse. Mais dans ces contrées, la science est loin des préoccupations quotidiennes. À le traquer dans ces vastes espaces qui échappent au contrôle de l'homme, nous voici devenus conquérants de l'inutile, chasseurs d'illusions. Dans cette république où la créature ne fait pas les délices d'un touriste embryonnaire, quelle drôle d'idée que de vouloir photographier et filmer un spécimen d'almasti. André nous mène vers une vallée de la rivière Mouchta où des traces ont été découvertes. Il est convaincu que l'avant-mont, truffé de canyons et gorges inaccessibles par la route, est un lieu de séjour idéal pour les almastis. C'est ici, en 1976, que nous avons trouvé des traces de pieds appartenant peut-être à un hominoïde relique.
Il y avait trois traces de ce côté-ci de la rivière, et trois ou quatre ici. Dans une de ces empreintes, nous avons trouvé un poil. L'analyse de ce poil a été faite au laboratoire de l'Institut médical de Perm. Sa structure était très intéressante, car elle n'appartient ni à l'animal, ni à l'homme. Il faudrait des milliers de systèmes de détection pour espérer quadriller raisonnablement la région. Mais à jouer le jeu, c'est la carte chance que nous voudrions voir sortir du tapis vert des forêts voisines. Ça marche. Aux petits oignons. La nature est la plus précieuse alliée des êtres sauvages. Les ours et les loups défient donc notre vigilance, n'offrant qu'une poignée d'empreintes pour aiguiser notre curiosité. Et l'almastie, trop tranquille dans l'anonymat d'un oubli de l'histoire, ne souhaite probablement pas voir son destin s'unir à celui de l'homme. Faut-il percer le mystère de l'almastie? Ça, c'est une question très douloureuse. Sachant qu'il va s'éteindre bientôt, est-ce qu'on peut raisonnablement, d'un point de vue scientifique, laisser passer cette perche qui nous est tendue dans le Caucase et ne jamais savoir quelle était cette espèce probablement extrêmement importante pour tous les anthropologues? Et pour tenter de percer le mystère de l'espèce, nos appareils de vision nocturne amplifient la lueur de la lune et des étoiles, mais ceux dont la nuit est le royaume se jouent de notre arsenal technologique. Sarbacane et pistolet hypodermique. Il s'agit seulement de l'endormir pour apporter des preuves indiscutables. Poils, salive, une goutte de sang, des empreintes des mains et des pieds, ainsi qu'un masque du visage. L'almastie n'est pas destinée à devenir un trophée de chasse, encore moins une attraction de fête foraine. Notre exploration dans un rayon de 100 km autour de Sarmakovo nous ramène souvent vers l'Elbrouz. Nous avons à plusieurs reprises cherché une famille qui aurait élevé un almastie, sans grand succès. Une réponse négative est parfois le symbole des tabous religieux. Ne pas parler de cette créature diabolique, c'est d'abord éviter le courroux d'Allah. Il y a aussi des zones où les almastis ont été beaucoup plus vus qu'ailleurs. À Firnibaksan, l'ombre du Yeti plane à chaque coin de rue. Ils ne se montrent jamais le jour, on ne peut les voir. Ils ont quelque chose d'effrayant, quelque chose de repoussant même. Sinon, ils ressemblent à l'homme. Il était plus grand que moi. Il avait à peu près cette taille. Ils font comme les loups, ils ne tournent pas la tête, mais font pivoter le buste comme ça. Il s'est retourné comme un loup, tu comprends? Comme ça? Oui, c'est ça, il s'est retourné de tout son corps. Et puis, il est parti. Notre crédulité est à géométrie variable, au rythme des témoins et de leur bonne foi apparente. La concordance des descriptions surprend. Comment ne pourrait-il y avoir que des hallucinations à répétition? Et pour la plupart des observateurs, il s'agit d'une rencontre unique. Comme le directeur de l'école de Firnibaksan, ils font l'effort de retrouver la date et de vous amener sur le lieu précis d'un événement qui a marqué leur mémoire.
C'était en 1940 qu'il a vu l'Almasty dans son village natal rasé sous Staline. Mes parents étaient partis faire les foins. Moi, à cette époque, j'étais un petit garçon. Je suis sorti par là-bas. Et dans cet arbre, j'ai vu un almasti. Il était petit, noir. Je n'ai pas prêté attention à ses yeux. Ses poils lui recouvraient tout le corps. Les almastis fréquentaient les hommes dans ces années d'avant-guerre où la mécanisation troublait peu le silence des montagnes et où les villages n'avaient pas encore l'électricité. Le fracas des canons et la déportation massive du peuple balkar vers l'Asie centrale ont aussi éloigné les hommes sauvages de leur base. Rencontrer les almastis, voir des traces, devient rare. Une fermière de la vallée des Kipsoko a eu cette chance et la peur de sa vie lors de notre séjour. C'est l'aboiement de son chien qui l'a mise en alerte. Elle a d'abord cru à un renard menaçant ses poules au marais. Vous êtes sûr que ce sont des traces d'almasti? J'en suis sûr. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'était pas un homme. Et j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. Il était petit comme ça. Les cheveux étaient comme ça. Les yeux étaient différents, un peu comme ça. Et le front était haut. Plus haut que celui d'un homme? Oui. Il était de quelle couleur? Noir? Non, comme ses poils. André est moins enthousiaste que nous, réserve scientifique toute naturelle. L'angle de pas sur les traces lui paraissent plus proche de l'homme. L'almasti, lui, marcherait sur une même ligne, comme un funambule. Pourtant, nous n'avons jamais vu personne marchant pieds nus dans cette région. Dans cette empreinte, le gros orteil est plus long que dans la première. Je pense qu'il s'agit de traces d'une autre créature. Ces empreintes sont un précieux trophée, fragile vestige de traces subjectives. Nous les moulons moins pour la postérité que pour une analyse ultérieure. Et si l'almasti s'était promené ici, si près de nos bases, rageant, non? Ce sont encore des traces découvertes par un berger qui permirent à un jeune biologiste de l'université de Kharkov d'observer un almasti le 25 août 1991 dans cette bergerie. Il est venu me demander si l'almasti venait parfois ici. Et c'est là qu'il en a vu un pour la première fois. Je lui ai montré dans la bergerie des chevaux qui avaient les crins tressés. Et je lui ai demandé, mais qui tresse la crinière des chevaux? Et pourquoi? Pachenko a passé la nuit ici. Il était couché à cet endroit et les chevaux étaient attachés là. Je m'étais endormi et je dormais donc quand l'almasti a pénétré dans la bergerie. J'étais à quelques mètres de lui. Il faisait sombre, mais par l'ouverture à travers laquelle il est passé, rentrait la lune. C'était la pleine lune ce soir-là. Avant que je n'ai pu le voir, il se tenait debout près d'un cheval dont il tressait la crinière. Et autant que j'ai pu en juger, ses bras devaient au minimum lui arriver jusqu'aux genoux. Mais je le répète, je n'ai pas vu ses genoux. Ses poils lui cachaient la moitié du corps. Je l'ai entendu émettre des sons. Ce n'étaient pas des mots, mais comme un marmonnement. C'était pas une речь, mais des bêtises, des
J'avais un appareil photo muni d'un flash, mais je n'avais pas de pile, je n'avais pas pu en trouver. À vrai dire, je pense que l'Almastie est une branche latérale de la lignée des ancêtres de l'homme. Grégory Patchenko est membre de la Société de cryptozoologie de Russie, dont le docteur Kaufmann est la présidente. À 74 ans, elle n'a jamais eu la chance d'apercevoir l'objet de sa quête. Alpiniste chevronnée, Marie-Jeanne connaît les subtilités de la montagne et chaque coin de cette Kabardino-Balkarie qu'elle affectionne. Son nom est presque aussi connu que celui de l'Almastie. Au Caucase, elle a aussi connu les heures tragiques de la Seconde Guerre mondiale comme capitaine d'un bataillon de montagne de l'armée rouge. Et le hasard, de nombreuses observations d'hommes sauvages l'y ont ramené pour un travail de longue haleine. Succédant au professeur Boris Porchniev, dont elle fut la collaboratrice, elle connaît mieux que quiconque le dossier des hominoïdes reliques. Dans les différentes républiques du Caucase, les multiples témoignages ont forgé sa certitude. Même si avec la pudeur du chercheur qui ne peut apporter la preuve irréfutable du bien fondé de ses travaux, elle parle de l'Almastie au conditionnel. Et c'est vers de nouvelles traces qu'elle nous accompagne. Rendez-vous manqué de quelques jours avec l'homme aux semelles de vent. Il y a une goutte lanterne très, très marquée. Moi, je vois une goutte lanterne. Mais disons, je ne précise pas, humain, pas humain, almasté, pas almasté, ça rappelle vaguement un pied. Ça, c'est complètement difforme. Alors, il aurait deux pieds gauches. Si on admet que c'est quelqu'un humain ou almasté, il se serait peut-être arrêté, là, et la pied finée. Mais où est le pied droit? Ben, écoutez, la seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est remonter ou descendre le ruisseau, parce qu'ici, il n'est probablement pas sorti. Nous avons des preuves directes ou indirectes de l'existence de l'Almastie. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour la science. Il faut avoir l'être en chair et en os entre les mains. Et même sans Almastie, dans nos boîtes à images, il faut se résigner à quitter la Kabardino-Balkarie. Nous retrouvons André à Moscou pour l'expertise des empreintes. Spécialiste du pied, André trouve les dernières plus convaincantes que celles du marais d'équipe Soko. L'utilisation de cette méthode permet de constater que la voûte plantaire est accentuée comme pour le pied humain. Cette forme est pour nous caractéristique des hominoïdes reliques. Ces points qui sont voisins les uns des autres sont à rapprocher de ce que l'on connaît, par exemple, à propos de l'homme de Néandertal. Je pense que c'est un résultat très positif pour cette expédition. Et si ces empreintes appartiennent vraiment à un Almastie, nos témoins n'ont pas rêvé et leurs récits deviennent crédibles. Il était de cette taille-là, à peu près comme ça. Il était plus grand que moi. C'était une femme ? Non, un mâle. Ils émettent des sons, mais personne ne les comprend. Physiquement, il est costaud, il fait environ 2 mètres, 2 mètres 10. Et puis il est un peu voûté, il a les jambes tordues et les bras aussi. J'ai crié comme ça, sans raison, comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'homme ici.
La solitude accompagne le pas des chercheurs qui creusent des voies nouvelles pour la science. Et le docteur Kaufmann poursuit ses recherches, loin d'une reconnaissance unanime de ses pairs. À une époque aux avancées technologiques et scientifiques qui démystifient l'histoire de nos origines et balisent notre futur, le rêve s'improvise dernier terrain d'aventure. À ce titre, l'Almastie a le mérite d'exister. Et l'invisible cousin survivra, telle une légende, à tous ceux qui réfutent son existence. Ah,